Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4. Donc on va prendre notre petite partie où on était. Donc là je pensais aussi ce qu'on va aller se faire, on va réactiver le fort ici. Et on va aller se défoncer les prétendants portugais, sinon ça va être un peu le bordel si... Parce que si... Ouais. Ouais. Belém et self-sustain, très bonne nouvelle. Ah, j'ai une nouvelle grenade. Ok, ouais. Ah ouais, il est un peu en mode bourrin, le Serikai. Oh, l'enculé. D'accord, ça a été légèrement gavage. Donc, ici, qu'on regarde vite fait. Les coloniales. Non, pas ça. Les coloniales régions. Tout ça, lui, on va le rusher vers le bas. On va se longer la côte. Ici. Non, on va regarder plutôt. Country. Possible colonies. Brésil, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'on a ça. Allez, on va expulser les... Alors attends, expliquez-moi, vous saurez de vous-même, mais c'est... Ah bon, on va dégager les Berbères. Ah, c'est marrant ça, ou les Gascons. On va expulser les Gascons. Ah ouais! Ah, c'est marrant ça. Allez, on expulse. On expulse, on est des fous, on expulse tout ça. Ensuite, on va se caler à Rio de Janeiro avec eux, histoire de... Ouais, on va s'occuper un peu de ça là-bas. Parce que les prétendants, s'ils pop, s'ils prennent le pouvoir, voire l'Ottoman nous déclare la guerre. Guerre de coalition. Ok. La Bourgogne ne nous rejoint pas, bande d'enculés. Ici, hasard, on a dégagé toutes nos troupes. Ouais, bah, Serikai, c'est bien, tu m'as laissé une belle partie, mais je me fais un tout petit peu défoncer. Ma flotte, elle est où? Elle est là. Non, elle est là. On va les envoyer ici. Eux, on les envoie là aussi. Les Castillans qui pop, bon, on va les épiques défoncer. Autriche. L'Autriche déclare la guerre à la Bosnie. Bosnie est en guerre avec... Ouais, il n'a pas d'alliés. Ok. On a engagé, l'armée, la flotte est arrivée là. On va renvoyer tout le monde là-bas. Là, ok, tout le monde est là. On va aller défoncer les 17 000 qui vont emmerder les Portugais. Voilà. On rassemble tout le monde. Ok, on va les libérer là-bas. Le Mali occupe Bambouk, ça c'est pas grave. Là, waouh, ça va vite là. Jouer en vitesse 5, ça pique un tout petit peu quoi. On recolle le diplomate. La France occupe 3. Ok. Ils ont popé Tlemcen, donc ça on va aller les défoncer, les 24 000 hommes là-haut à Tlemcen. L'armée est arrivée à Rio de Janeiro, ok, bonne nouvelle. Le Mali occupe Wolof. Ici, on va attaquer les natifs. Ici. Offert tribut, qu'est-ce que tu veux comme offre? J'ai 7 bons boucs. Offre... Ouais, on va se faire ça. Ah, et voilà, ça c'est un petit mode aussi que j'ai téléchargé d'un petit mode qui me permet de d'avoir le... Vous voyez, on a l'offre de paix qui est là maintenant. C'est-à-dire que quand on modifie le thune, on se retrouve pas avec ce putain de bouton d'offre de paix qui est mort. On va accepter ces offres. Pourquoi? Parce que je libère des OPM des provinces à la con. Voilà.
Voilà. On se débarrasse de ça parce que là, c'est un tout petit peu le bordel. Là-bas, il y a des rebelles, on s'en bat les couilles. Donc, ça, c'est Tlemcen. Tlemcen, c'est bien. Ça relâche un pays. Ça, c'est Alger, Tunis. On a gardé nos provinces ici. C'est bon, c'est une bonne nouvelle, ça. Maintenant, on est en guerre. On va aller s'occuper de la France tranquillement. Est-ce qu'on aide ou non? On s'en bat les couilles. La France occupe la Touraine. On va plutôt aller s'occuper. Voilà, on va aller aider nos. Goto, là-bas, c'est des rebelles qui pop. Ah, on a défoncé l'armée. On a renouvelé après. Le siège du Haut-Poitou est terminé. Ok. On va aller prendre là-bas. Hop, hop, hop. Oh putain de merde. J'ai baissé la vitesse parce que ça va sacrément trop vite. Ici, on prend tout ça, tout ce qui est pas mille, on dégage et celui-là, on sectionne, on l'envoie à Toulouse, histoire de siéger. Ah ouais, putain, l'ordinateur, il est un tout petit peu trop puissant pour le jeu. Ça fait que c'est un petit peu le bordel de suivre. Ensuite, ma flotte, on regarde vite fait dans la guerre contre la France. 14 navires, ouais, j'en ai 9. Ils sont seulement à mes 9 navires, ouais. Donc on va aller se mettre là-bas. Ok. On va aller là-bas. Eux, ils vont là-bas. Donc on attend qu'ils soient loqués. Et quand ils sont loqués, on y va, on les défonce et on revient. Voilà, on défonce les armées. On rassemble tout le monde, on fusionne, c'est un niveau commun, niveau 2, donc il en faut 7000. On dégage tout ce qu'il y a à 0. On dégage la cavalerie. Et on garde que 1000 hommes. Là, on les met derrière. Les séparatistes ont popé à Sousse. Ok. Pas qu'on s'en occupe de ça après. On attend que les Français arrivent. Putain, on les défonce. On va attendre qu'ils soient là, histoire de. Voilà. La New Spanish Capital. Alors qu'on étudie ça. Bataille de du Narbonnais. Ok. On rassemble tout le monde, on fusionne, on décale. Tout ce qui est pas à 1000, on enlève. Il nous faut 6000 hommes. On en garde donc 4000. Et tout ça, on les fout là-bas. Une Spanish. Ah oui! Ok, Madrid. Ok, allez, une petite prise de Roussillon. Le siège de Narbonne est terminé. Putain, ça c'est une bonne nouvelle. On envoie là-bas, on envoie là-bas. Notre flotte est attaquée, ouais, ça je sais. Oh putain, on l'a encore. L'Espagne occupe Montpellier. On occupe le Rouergue. Ça, on va les envoyer en Narbonnais pour se reposer. Voilà. Hop. Tout ce qu'il y a à 0, on va laisser derrière. Ce qui est pas fond en fait. Lui, on attend qu'il
soit loqué dans le rouergue. Il est loqué, on y va. Voilà, on attend que ça vienne s'empaler sur moi. Là, est-ce qu'il y a des unités à 1000 ou plus? Non. On va défoncer les armées qui traînent. Voilà, tout ça on casse. Là, c'est loqué, on va les défoncer à Montpellier. On engage l'ennemi. Ok, bon. Ils vont où eux? Ils vont en Auvergne. On attend qu'ils y arrivent. Ah ouais, par contre, là, il arrive à 24 000 hommes. On attend que Paris soit pris. Ce qu'on va faire avec notre armée, on va se casser. On va aller s'occuper un peu des pécores là-bas. La flotte, elle dit quoi, la flotte? La flotte, elle dit on peut embarquer des troupes. Donc, ce qu'on va peut-être faire, on va mettre tout le monde ici. Ah non, on prend ça. Ok, on rassemble tout, on fusionne tout. Et il me faut, je peux embarquer 14 000 hommes. Donc on va embarquer 14 000 hommes au taquet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cette armée-là, est-ce qu'ils ont un général de dispo? On va leur mettre lui. On les embarque dans le navire. On les fait débarquer à Messine. Et les 6 000 hommes, on les envoie là-bas. On va recruter du mercenaire sur la route. Voilà. On peut avoir une idée quoi? Naval Force Limit ou l'autre fabriquer des clés, comment dire? On s'en bat un peu les couilles. On va plutôt hop, augmenter ça. Qu'est-ce qu'on peut corriger ça encore, encore? Ah, j'ai fait des conneries, je pense. Convertir, on a quoi? On a ça qui est pas. 50, ouais. On va convertir. On envoie tout ça en MFA. Et là-dedans, on va prendre. Ils sont où? Ils sont là. On va dégager. Hein. Ça, on les disbande. Ils ne servent à rien. On attend que la flotte débarque. L'armée est arrivée en MFA. Ouais. Ok. On attend que toutes les armées soient arrivées en fa. L'armée, la flotte est arrivée à Messine. Ok. Donc là, on va aller se défoncer. Ça. On va aller les défoncer. La France occupe le Rouergue. Ouais. Vas-y, prenez, prenez. La flotte est arrivée dans la baie de Naples. Ok. La France occupe Montpellier, ok, c'est pas grave ça. Là-bas, le siège de Paris est fait. Ouais, ça c'est ok. Narbonne, ouais. Ici, les rebelles. Voilà, on envoie là les Abruzzi. On va aller en Abruzzi. On attend qu'ils soient arrivés en Lucania. Et on va dessiéger les provinces. Voilà, on est là. Ici, ce qu'on fait, on dégage tout ce qu'il y a à poil et 1000 hommes. Ça, on prend, on envoie en Abruzzi. Milan occupe la Guyenne. Ouais, c'est bien. On a tout ça. Roussillon, il y a. Milan occupe le Limousin. Ah oui! On fait cadeau. Donc, étudions. On a gagné la guerre.
Ah, enfin, ça on verra après. La France, français de Nemours, Bourbonnais, Troyes, Bourgogne, Narbonne à l'Espagne, bien, ça c'est une bonne nouvelle. Ok, donc la France a pris grave cher encore une fois. L'armée est arrivée là-bas, c'est parfait. Notre armée est arrivée là, c'est parfait aussi. Donc ça, on va l'envoyer à. Ah ah! Les forteresses, entretien des forteresses, on met ça à Chi. Non, les risques de. Les séparatistes sardes et portugais. À Ceuta. Donc on va garder. Et Sardes, c'est en Sardaigne, c'est où ça? À Cadirghisa et Scagliari. Ouais, donc ça, on va faire un truc. Bah non, on est déjà au taquet. Bon bah eux, on va les fouetter. Un petit coup de fouet, ça va les détendre. Des nouvelles unités. On va... Hop. Naples occupe Lucania. Ok, bonne nouvelle. On va à Salerne. L'armée est arrivée à Salerne, ça c'est quoi? Ouais. Ouais. L'armée est arrivée à Haha. Ça c'est une bonne nouvelle. Agadir c'est quoi? Drylands. Et là c'est du coup à Mountain et Highlands. Ouais. Naples occupe Abruzzi. On va les attendre en défense dans les montagnes. Naples occupe Salerne. On va aller envoyer les renforts. On occupe Aha. On va aller se mettre là à Agadir, histoire d'être dans les Drylands en situation défensive. On a gagné la bataille d'Abruzzi. Ok, donc Naples, fort niveau 3, on n'aura pas assez de troupes. Donc ce qu'on va faire. Tout ça. Cette armée-là, on sélectionne et on va aller dégager ça. On envoie la moitié là, l'autre moitié là-bas. Ensuite, les rebelles. 11 mois et indépendance forces, ouais. Notre armée est arrivée en Ombrie. Armée est arrivée vers Urbino, bonne nouvelle. 54,2, 54,7, 55. L'Espagne occupe Agadir. Voilà, on va les attendre là. Ici, on va leur refourguer un général qui tienne la route. J'occupe Capitanata. On s'en fout de ça, donc on va retourner là-bas. Capitanata, on va dessiéger Naples. Ici, tout ce qui est en rab. On envoie à Naples. Là, on fusionne tout ce qui est. Ouais, ça, tout ça, on prend et on renvoie à Naples. Ok, Naples est terminé. Maintenant, hop, ici la petite partie 56,3. Est-ce que je vais. C'est bon, ça a calmé. Ils arrêtent de grossir, eux. Bataille d'Agadir. Ok, bataille gagnée. Ok, split moitié là, moitié là-bas. Naples occupe Urbino. Bonne nouvelle. Ok, on va aller là-bas. Ensuite, les prochains rebelles seront où? Les Tunisiens et les Portugais. L'armée est arrivée à Naples. Ok. Mais est arrivé à Naples, on va les envoyer là. Ok, donc là on a fini avec Sousse. Enfin avec Sousse, avec eux. Donc les prochains qui peuvent éventuellement popper, on va aller à Ceuta. Parce qu'après il y a les Tunisiens qui peuvent popper. Ils sont où les Tunisiens? Indépendance de Tlemcen. Il y en a 124 000. Ils sont où ceux-là? Ah c'est marrant, ah ils ont pris ça qui appartient. Ah oh, bah c'est bien ça. Accepte demande, ça fait quoi? Cède every honnête province, toute l'Emsen.
Tunis, Alger. Oh bah c'est bien ça. Bref, on s'en fout. C'est marrant ça. Indépendance pour Tunis. Ils sont où? Tunis, Kiev, Djerba, Kairouan, c'est où ça? Ah, c'est là-bas, ils sont 24 000. 24 000, ok. Développement 6, 10, 16. Donc ils vont popper là-bas. Eux, on va leur mettre. Là, ils ont qui eux? On va leur mettre Omar Da Fonseca. Et on va surtout arrêter l'épisode là. Donc voilà, les gens. Sur ce, je vous dis donc bye bye. Et ben, hop, que j'aille sur le alt tab. Il est où? Il est où? Il est où? Ah, il est où? Il est où? Il est là, voilà. Et donc, je vous dis donc bye bye, les gens. Et à demain pour la suite de la série. Allez, ciao tout le monde.